Aujourd'hui, on estime que 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans la mer chaque année par nous tous, l'humanité. En gros, un camion benne par minute, les chiffres donnent notre tournis. Toute cette fuite de plastique de ces continents, de notre vie de tous les jours, en fait, de notre quotidien. C'est un enjeu majeur. Je crois qu'il faut tous se poser la question de savoir comment on arrête ça demain et comment on agit. À la Fondation Tara, nous, ça fait 10 ans qu'on va parcourir le monde, qu'on constate beaucoup de plastique en mer est retrouvé, souvent très petit, très difficile à nettoyer finalement. Et on se rend bien compte que l'urgence d'agir, elle est à terre, elle est dans nos territoires, elle est auprès de nos collectivités, de notre entreprise, de notre famille. Et c'est des petits pas aussi encore, hein. Il va falloir se mobiliser. Je crois que c'est aussi un beau défi à relever parce que je pense que ce flux de plastique qui coule comme ça vers l'océan, c'est réversible, on peut l'arrêter. C'est une question de se prendre en main et de prendre des bonnes politiques publiques, de faire de bonne éducation dans les écoles, nettoyer ce qu'on peut nettoyer partout où on peut, et puis surtout de se comporter différemment. Et puis c'est aussi une question, pour finir, d'innovation, cette idée d'économie circulaire.